Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 4ème épisode de Spider-Man sur PlayStation. Alors là, je tourne juste après l'épisode de Lara, j'ai fait une petite pause entre temps, j'enchaîne donc c'est le même jour. Donc j'ai pas encore eu réaction sur l'épisode dernier, j'ai vraiment ragé. Mais j'en excuse pas, parce que ça fait du bien de rager, voilà. Bon, on va continuer, apparemment on va se friter face au Rhino, donc c'est parti, ça va être cool. Oh, sympa la coupe. Il était là. C'est l'ami des cafards. Oh. Bien, bien. Mon Dieu, la chatte noire est hors jeu et le rhino est sur le point de neutraliser l'araignée. Heureusement, le rhino n'est pas très fini. Mais ça a l'air. D'accord. Oh putain. C'est une belle bête, hein, c'est un beau bébé. Il est bien modélisé, j'aime bien. Bon là, il faut faire quoi? Attention, mur. Attends, peut-être qu'ils foncent sur un... Ouais, peut-être qu'ils foncent sur un... Un des trucs, là. Ouais, on va perdre, là. On va suicider. Enfin, quoi que, on va essayer de voir... T'as les oreilles qui chauffent. Oh la pichenette que vous avez mis. Bon, on va essayer de voir un peu mieux ce que... On va passer. Le rhino qui est l'ennemi classique de Spider-Man. La chatte noire est hors jeu et le rhino est sur le point de neutraliser l'araignée. Heureusement, le rhino n'est pas très fini. Hop là, de bête. Et hop là. Ça fait un mal de chien, non? Lui par contre, contrairement au scorpion, il est vraiment coincé dans son costume. Oh putain. Quand on a pris des dégâts, nous aussi. Oh mais merde. Oh c'est con. Et là, ces trucs là, à part nous faire des dégâts, ça sert à quoi? T'as les oreilles qui chauffent? C'est tendu. Oh putain, je l'ai pris de plein fouet. Putain, l'autre con. Allez, fonce dans le tas, c'est qu'il va foncer dans un truc là, comme moi. Voilà. Attention, merde, non, il peut pas défoncer les trucs là. Voilà. Ah merde, on s'électrocute aussi. D'accord. Bah là, on va perdre à mon avis. On va pas assez de vie là. On va bien se prendre une pichenette de travers en faisant le glandu. Ouais, voilà. En faisant comme ça par exemple. Bon, on a compris, il est pas trop compliqué. Je croyais qu'il fallait lui faire péter tous les trucs électriques. Donc ça c'est... Bon, mais après ça c'est cool. T'as eu plaisir ce boss. Ah ça y est. Mon Dieu, la chatte noire est hors jeu et le rhino est sur le point de neutraliser l'araignée. Heureusement, le rhino n'est pas très... Dommage parce que ce serait un personnage intelligent, ce serait intéressant. Peut-être des versions où il est pas trop con. Dans le comics. Te voilà. Alors là, faut pas le toucher. On va lui donner un coup de main pour prendre des dégâts. Il va tous les faire, hein. C'est bête, c'est bête. On va essayer de faire en sorte qu'il se prenne tous les trucs électriques. Allez, mange le machin. Voilà. Quand ils sont tous cassés, il va se passer quelque chose, je pense.
pas évident hein, de là. On va essayer de. Allez, allez, allez. Voilà. Et là, oh merde, putain, c'est mis dessus comme un gland. Oh putain, une demi-pichenette. Il est pas si con que ça. Il pense pas à ces petites distances, enfoiré. Il doit se passer quelque chose quand on bête les quatre trucs. Bah oui, je ne joue pas vite. Oh mon dieu, la chatte noire et orange. Et le rhino est sur le point de neutraliser l'araignée. Tandam. Allez. Boum. Ah, t'es pas un Pokémon seul, t'es pas rhino féroce, toi. Mettre hein. Là. Hey, ce matin, je coûte une fortune. Est-ce qu'il faut le protéger? Ah, peut-être qu'on veut le protéger. Eh, hey, dis donc, tu t'appelles Houdini, toi. On prend un coup à chaque fois. C'est peut-être le dernier, ou alors faut bien les protéger, ça se trouve. J'ai pas fait gaffe. On va voir ça tout de suite. Olé, Toro ! Putain, il veut pas. Hein. Te voilà. Attends, ça fait mal de chien, non ? Et il fonce dessus, on va voir s'il fonce. Non, faut que je l'amène plus loin. Allez, fonce-moi dessus, mon gros. C'est assez drôle pour l'instant. Ah oui, il faut plusieurs coups pour les péter, les machins. On leur rajoute des pichenettes, le pauvre. Déjà, on est moins merdé là comme ça. Oh putain. Merde, j'ai pris un coup. Pardon. En quelle année j'ai pris un coup là? Oula, t'as les oreilles qui chauffent. Et merde. Et c'est la méthode est simple, mais appliquer, c'est pas si facile. Alors attendez. Hop. Mon dieu, la chatte noire est hors. Oui, elle est hors jeu. Je me demande s'il se passe un truc quand on lui paye, on paye tous les machins, quoi. J'arrive à foncer dans le tas là. Et fonce ici. Faut les péter deux fois. Attention mur. Oh merde, il les a pas touchés. Te voilà. Et on va se mettre là maintenant. Hey, ce matin je coûte une fortune. Enfin, quand il fonce, on peut déjà sauter. Ah, il va revenir là. Ah, ça va. Et ça va être douloureux. On dirait un bonhomme de quartier. Eh, dis donc, tu t'appelles Dini, toi. Oh, c'est un petit peu con. Ah, t'es bête. Non, c'est drôle. Ah, peut-être que c'est juste pour qu'ils prennent des dégâts. Hein. Putain, il est à merde, mal visé. Te voilà. Ah, c'est qu'il suit quand même. Il dévie sa trajectoire, il est pas si con que ça. Attention, mais... Faut pas que je saute trop tôt. Olé, Toro. Voilà, ouais, j'ai dû me sacrifier un peu pour qu'il en prenne des coups. Ah, c'est que ça va le tuer. Je coûte une fortune. T'as les oreilles qui chauffent. Il est drogué. T'es un peu con quand même. Allez. Boum, 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 boum. On va essayer de se mettre par là. Qu'on soit dans l'angle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais beau bon. On va se remettre dans l'angle. Voilà. Et là, on a eu peur. Olé, Toro.
Ah, il se passe rien. C'est pour lui faire des dégâts, bon c'est chaud là. Dis donc, tu t'as pas lutté toi. Ah non, ça fait un mal de chien, non? T'en as fait toute notre toile. Olé, Doro. Ah, on l'a eu. Oh putain, par contre on a plus de toile, mais... La maison poulet, disparaissons. Ici, je suis aux premières loges. Octavius, qu'est-ce qu'il fait ici? Pardon, excusez-moi. Vous permettez? Mais je croyais que... Ah bah... Le doc aide la police. Il a vraiment changé. Si Octopus s'occupe du rhino, je peux aller voir ce qui est arrivé à la chatte. Non. Hé, hey, attendez. Chatte-toi, c'est moi, Peter. Au secours, Peter. Ce ne sont pas de vrais infirmiers. Ah bon? Oh, ils sont vilains. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait des Voldemort? Bah... Et il dit rien. Je me suis touché la bite. Bon, bah c'était un super épisode. Je vais essayer peut-être peut-être d'enchaîner sur le prochain, je sais pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous. Commentez vos conseils, machin, tout ça. La petite clochette, le ci, le là. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Hein, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.